Salut à toutes et à tous, c'est Abalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc c'est les 100 abonnés. Et oui, 100 abonnés en une semaine, donc ça me fait énormément plaisir. Je sais pas quoi vous dire, 100 fois merci sincèrement. J'espère que dans cette longueur, c'est-à-dire vous faire plaisir, c'est vraiment ce qui compte. Donc j'ai lâché un max de likes encore sur cette vidéo, parce que la dernière vidéo on a atteint presque 25 likes, donc ça touche énormément. Malheureusement un dislike, bon, je comprends si ça plaît pas. Donc merci à toutes et à tous. Pour les 100 abonnés, je voulais faire juste un remerciement. Mais pour les 1000 abonnés, pourquoi pas, je m'avance un petit peu. Mais j'espère peut-être un jour, peut-être dans un an, peut-être faire une FAQ. Donc ça sera peut-être à la prochaine hein, parce que à 500 abonnés je pense pas en faire si j'y arrive bien sûr hein. Je pars optimiste. Je suis super fier, je voulais remercier dans cette vidéo ceux qui m'ont fait commencer. Sans eux je serais sûrement pas arrivé à 100 abonnés déjà. Donc c'est grâce à Maxime Gaming 36, grâce à Krasis 31 et encore plein d'autres que j'ai oublié, Maxence Lamens, voilà. Donc allez tous vous abonner, sincèrement ils font du contenu génial, c'est vraiment génial ce qu'ils font. Donc voilà, je peux vous dire allez vous abonner sincèrement. Là vous voyez sous vos yeux que je suis en train de rechercher une partie. Donc on va faire une attaque en live. Voilà, en barbare archer, on va y aller un peu en mode fifou. Donc sincèrement c'était une vidéo remerciement. Parce que sincèrement sans abonnés, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas vous mettre dans la pause que ça fait depuis une semaine. Je me disais peut-être 100 abonnés en novembre. Voilà. Ce serait pas mal là au bout d'une semaine. Sincèrement ça touche énormément. La dernière vidéo on a dépassé les 100 vues. Donc ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo, sincèrement je le fais. Les défis, j'adore ça, j'en ferai, ne vous inquiétez pas. Aussi la GDC, donc je vais faire une GDC, mes attaques en GDC ça sortira demain. Aussi un speedbuilding HDV7, HDV6 rush pour ceux qui veulent. On m'a demandé donc je vais le faire, oulala, j'ai perdu mes mots parce que regardez le village. Pour farmer il n'y a rien de mieux. Donc tout simplement regardez ce qu'on va faire. Le live avant tout. Donc je vais sortir la reine, d'où elle est là, de son cocon. On va la sortir. Voilà, faudrait qu'on arrive à la tuer la reine. Faudrait qu'on arrive à la tuer, elle m'énerve. Elle nous énerve la reine là. Allez, on va la tuer. Là je stresse un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bonus de loot. Il y a beaucoup de loot, donc ça fait plaisir pour cette vidéo. Donc on va passer à 15 likes, ça ferait super plaisir sincèrement, 15 likes. Je sais que vous êtes capable de le faire, sincèrement. Donc pour les attaques en GDC, bien sûr ça sera du go wipe et une technique hybride. Je vais vous montrer, donc ce sera pas dans mon clan The Team FR, puisque je vous annonce une nouvelle série. En effet, la nouvelle série, elle se nomme une guerre de clan chez vous. C'est-à-dire que vous me direz votre clan, j'irai faire la guerre de clan, voilà, et je la montrerai en vidéo. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, sincèrement, moi je pense que c'est génial, j'aurais bien aimé qu'on me le fasse, donc voilà, je vais le faire. Moi ça me fait plaisir de le faire, donc je le ferai, il n'y a pas de problème. Alors que là, attendez. On va lancer le château de clan et notre roi ici. Tandis que notre reine, on va attendre pour la lancer, voilà. J'ai un dragon, donc ça risque de passer très très crème, regardez. Ça va passer crème, les gars. Voilà, donc. Là, voilà l'étoile, hop, on arrête. 5 trophées et on a beaucoup de butins. Donc je vais vous mettre des gameplays de GDC, des belles attaques, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que mon ami des belles attaques, voilà. Donc c'est ce rappeur qui attaque quelqu'un de notre clan. Donc je vous laisse sur le gameplay. Tandis que nous on continue à parler. Donc je voulais remercier aussi dans cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de monde à remercier. Tous ceux qui m'ont dit l'application. Des applications pour m'améliorer. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien qui me touchent énormément. Voilà, donc continuez comme ça, ça fait. Même si j'ai que 100 abonnés, je trouve que j'ai la meilleure communauté. Puisque tout le monde est solidaire. Tout le monde est là pour me dire, pour améliorer. Voilà, donc sachez-le, un casque arrivera bientôt. Hein, sincèrement, dans 2 semaines à peu près, il y aura un casque. Donc vous m'entendrez bien mieux, parce que j'ai un problème. C'est qu'on m'entend pas beaucoup. Donc sachez-le, je vais l'augmenter ce problème. Hein, il y aura un casque, donc il n'y aura plus de problème. Donc aussi, les prochains défis, j'en ai pas parlé encore, mais... je pense que refaire des défis avec Krasis et Maxime Gaming. Après je vais peut-être faire une vidéo, voilà. Donc allez vous abonner à, avec qui je vais faire une vidéo bientôt. C'est Geek4422. Donc lui je l'ai peut-être pas dit dans les prénoms. Donc allez vous abonner.
aussi pour mon rush, je voulais remercier Tiger, parce que sans lui, ça serait pas possible d'être entré dans le top 1000 FR. Donc merci à toi, sa chaîne sera dans la description également. Donc sincèrement, sans abonnés, j'en perds mes mots quand j'ai vu ça. En fait, c'est pas moi qui dit ça, c'est mes amis qui m'ont dit regarde, t'as 100 abonnés, mec, viens là. Regarde, et moi j'y croyais pas, je dis arrête de faire tes blagues, c'est plus marrant. Et en fait, si j'étais arrivé bien à 100 abonnés. Donc maintenant, on a plus à 200 abonnés, je crois qu'on a 110 abonnés. Donc ça fait super plaisir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, sincèrement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc n'hésitez pas. Sincèrement, 15 likes. Allez, cette fois je commente le gameplay pour terminer cette vidéo sans abonnés. Allez, c'est parti. Donc on peut voir qu'il lance les deux golems pour essayer de rentrer. Donc les PK derrière. Pour l'instant, tout à l'heure, les sorciers, pourquoi il les garde? Je comprends pas pourquoi il garde les sorciers. Il aurait dû lancer. Voilà, le sort de rage est trop dessus. Les troupes pourraient le décaler pour que ça touche le mortier là-bas. Donc là, c'est un mauvais sort à utiliser. Le sort de soin aussi, il lance sur les troupes. Donc c'est très très mal, regardez, ils protègent rien, les sorciers en retard. Donc les sorciers 6 font leurs dégâts, là un très beau sort de soin, bien mis. Là le roi n'aura pas fait long feu, là ça rentre au centre, donc attention, on est à 25%, ça risque de rentrer. Les sorciers derrière qui servent à rien, donc ils tournent, voilà, le problème c'est que ça tourne maintenant. Les casse-briques aussi, il aurait dû lancer avant. L'hôtel de ville va tomber, sans aucun problème, 38%, il reste beaucoup de troupes. Donc est-ce que là ça passe? Le roi est toujours avec sa capacité poigne de fer. Donc, est-ce que ça va passer 50%, voilà les deux étoiles. Mais est-ce qu'il va nous faire les trois étoiles? Ça, c'est à savoir. Donc, on va voir les golems qui tournent. Voilà, donc les sorciers qui meurent. Ils sont plus protégés par les golems. Donc, on va pas vous spoiler le truc. Bien sûr, ça fera pas un 3 étoiles. Puisqu'il restait plus que 2 golems, malheureusement pour lui. Sachez-le. Un HDV 8 doit faire un HD 3 étoiles, un HDV 8. Puisqu'il y a les troupes pour, il y a le Go Wipe. Sincèrement, le Go Wipe, c'est la meilleure technique. Ou alors, il y a le Go Wipe, le Go Wipe avec des Valkyries. Ça passe très très bien. HDV 8. Bon, ça sera tout sur la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, excusez-moi. 15 likes, comme je vous ai dit. Allez, à plus. Ciao.